Alors, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Le contexte de la reprise a été assez flou et anxiogène. Le protocole sanitaire n'a pas été respecté partout. Dans le primaire, environ 30% des enfants en moyenne ont repris le chemin de l'école. La situation est très disparate hein, selon les endroits en France et les quartiers dits populaires ont été très peu nombreux à reprendre. Blanquer semble toujours assez hors sol. Il a déclaré par exemple que les enfants étaient plus en sécurité à l'école qu'à la maison. Il y a déjà eu des cas de Covid détectés et pas mal d'écoles ont dû fermer à cause de ça. Les personnels n'ont pas toujours été associés à la reprise. Et si on prend par exemple les AESH, elles ont juste disposé d'une fiche Éduxol le 11 mai, soit le jour de la pré-rentrée. Il y a eu un manque de matériel à certains endroits, on peut même dire à beaucoup d'endroits, je pense, et toujours une culpabilisation des personnels. L'opposition des Français au retour à l'école reste forte. Alors évidemment pas parce qu'ils s'opposent au retour à l'école, tout le monde a conscience du rôle essentiel de l'école, mais parce que beaucoup n'ont pas compris d'où sortait cette date du 11 mai. Quel était l'objectif? Est-ce que c'était de faire reprendre le chemin du travail aux parents? Les conditions ne semblaient pas réunies partout, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qu'on peut constater aussi, et ça c'est très très dérangeant parce que c'est l'État qui abandonne son rôle, c'est la main laissée au local et la rupture d'égalité sur le territoire. Voilà Michel, je te laisse la parole. Merci Muriel. Alors l'audition se déroule dans ce contexte d'après déconfinement. Nous avions déjà fait une audition à laquelle M. Arena avait participé. C'était avant le 11 mai, avant ce déconfinement. Nous sommes tous les deux, Muriel et moi, Muriel Rességuier et moi, Michel Larive, députés. Du groupe La France Insoumise et commissaire de la commission éducation culture à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi nous menons ce type d'audition. Alors, la première audition avait été menée dans le cadre de la commission d'enquête, donc de la France Insoumise, qui a été d'ailleurs rendue publique aujourd'hui. Vous avez des vidéos, mais vous avez surtout un gros fascicule qui, à mon avis, deviendra qui, à notre avis, deviendra un livre. C'est un livre d'enquête sur ce qui s'est passé pendant cette séquence de crise du Covid. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle audition, 9 jours après cette rentrée, pour discuter effectivement des conditions de la reprise. Les auditionnés aujourd'hui, nous avons Madame Julie Barbeau, qui est professeure des écoles à Nanterre. C'est bien cela? C'est ça. Christine Nérès, ATSEM, est membre du collectif indépendant des ATSEM de France. Administratrice. Administratrice, d'accord. Et Monsieur Rodrigo Arana, qui est coprésident de la FCPE. Alors, merci déjà à tous les trois d'être parmi nous. Eh bien, on va lancer le débat par une question toute simple. C'est comment s'est passée cette rentrée du 11 mai dernier? Quelles ont été les conditions d'accueil pour les enseignants et pour les enfants, bien entendu? Et vous allez peut-être nous délivrer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par Madame Julie Barbeau, si vous voulez. Oui, alors donc moi je suis professeure des écoles dans une école de réseau prioritaire à Nanterre. Donc le 11 mai, il y a eu une pré-rentrée des enseignants. Alors moi sur mon école, on avait la chance d'avoir déjà bien discuté en équipe et d'avoir un directeur qui avait déjà bien réfléchi à comment on pouvait mettre le protocole sanitaire en place. Donc le 11 mai, on s'est retrouvés pour parler avec mes collègues de l'accueil vraiment des enfants, de ce qu'on allait faire avec eux les premiers jours, parce que après 2 mois d'absence, il fallait réfléchir à comment les accueillir.
Et puis, comment penser tous les trajets de la journée dans l'école pour éviter que les groupes se croisent, qu'il y ait le moins de contacts possible. Et donc ensuite, moi, j'ai repris la semaine dernière, le 14 et le 15. Donc sur mon école, ça s'organise avec 2 jours. Enfin, moi, je suis 2 jours avec un groupe d'élèves. Et ensuite, j'ai le lundi et le mardi où j'assure le travail en distanciel pour les enfants qui restent à la maison. Et donc, jeudi et vendredi, j'ai fait de mon mieux toute la journée pour essayer de faire en sorte que le protocole soit au maximum respecté. Donc, la semaine dernière, ça allait encore parce qu'en tout, sur l'école, il y avait que 12 élèves. Parce qu'on a fait rentrer les enfants dits prioritaires, donc les enfants dont les parents sont soit soignants, soit travaillent pour la mairie, pour l'éducation nationale, etc. Et seulement les CP. Donc on avait très peu d'élèves. Donc c'était relativement simple, même si finalement, en fait, ce qu'on a remarqué avec mes collègues, c'est qu'on s'est beaucoup ennuyé. Parce que ce qu'on fait, c'est pas de l'école, en fait. C'est sorte de soutien scolaire, voilà, mais comme tout est interdit, on peut pas faire de jeux, enfin, on peut faire des jeux, mais c'est très limité, on peut pas vraiment s'entraider, c'est assez difficile de trouver des activités qui soient à la fois intéressantes et en restant à distance. Donc voilà, et donc nous, notre inquiétude, c'est plutôt par rapport à lundi qui arrive, parce que là, ce sera retour de toutes les classes. Alors moi, sur mon école, il n'y a que 70 élèves qui vont revenir sur un peu plus de 200. Donc, on a moins de 50% des élèves qui reviennent. Mais même avec ça, on se dit que si les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, pourquoi est-ce que nous, à l'école, on peut avoir 70 enfants au même endroit en même temps? Donc voilà, notre inquiétude, elle est plutôt à partir de lundi, de voir comment ça va se passer. Merci, merci Madame Barbeau. Madame Mérès. Alors, nous, en tant qu'ADSEM, le souci, c'est que en fait, on est beaucoup dans la désinfection. Donc, on participe un peu moins dans les activités. Et on a même des ADSEM qui ont été déplacés, en fait, qui ont été envoyés dans d'autres écoles pour faire de la désinfection, mais le souci, elles ne connaissent pas ces écoles. Donc, c'est problématique parce qu'elles ne savent pas où se trouvent les produits, telle classe à nettoyer, tout ça. Donc, ça change, elles changent de lieu, quoi. Et donc, en fait, le souci, c'est qu'on ne fait ça, que ça en permanence. Désinfection. On n'est plus trop présent dans les classes pour faire des activités avec les enfants. Donc, on redevient, dame pipi, quoi. Dame pipi et dame désinfection en permanence. Donc, d'accord. On fait un rebond en arrière, on va dire, dans notre rôle du métier, quoi. On se sent un peu dévalué, quoi, parce qu'au final, on a l'impression que notre métier recule, quoi, dans cette histoire. Et par rapport en classe, c'est vrai que les jeux, c'est pareil, la distanciation... On ne peut pas trop la faire, quoi. Les enfants, nous, on a le rôle d'ADSEM, donc on est là aussi pour les réconforter. Forcément, faut bien se le dire que les enfants, ils s'approchent de nous, quoi. Donc, même en mettant, en leur disant, c'est plus fort qu'eux, c'est des maternelles, ils connaissent pas tout ça. Pour eux, c'est nouveau, quoi. Donc, c'est pas évident, quoi, à mettre en pratique. Monsieur Arena, peut-être. Oui, donc la question, c'est comment ça s'est passé, c'est ça, le 11 mai, voilà, globalement, voilà. D'accord. Les conditions d'accueil, notamment pour les enfants, et pour vous, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Écoutez, les retours sont très inégaux en fonction des écoles, en fonction des équipes et aussi en fonction de la place qu'on accorde aux parents.
on se rend compte que là où les parents ont été le plus associés, bah, c'est là où ça se passe le mieux. Déjà parce qu'on fait jouer à plein le rôle le rôle des parents qui sont élus dans les écoles. Voilà, c'est ce qu'on appelle la démocratie scolaire d'une façon très générale, mais c'est surtout les parents qui sont des relais pour rassurer leur père, PAIR, du fait que l'école respecte les gestes barrières et que ce qui va se faire dans la classe est de nature à rassurer les parents. Donc c'est là où les parents étaient le plus associés, ce qui représente une extrême minorité des écoles du pays ou des établissements, puisque les établissements aussi sont en train de se préparer au déconfinement pour certains. Voilà, c'est le premier point. C'est là où ça se passe le mieux, c'est quand les parents sont associés, et ce qui n'est pas la norme. Et malheureusement, ce qui était la règle n'est pas devenu la norme. Ensuite, vous dire que pour les parents, c'est la double peine. La double peine parce que le ministère a échoué. Il a échoué dans sa mission régalienne qui consiste à accueillir tous les enfants dans un milieu qui leur permette d'assurer ce qui est appelé maintenant communément la continuité pédagogique, et aussi accueillir les enfants pour faire semblant que l'école continue. Donc non, l'école ne continue pas. Les enseignants sont relativement unanimes sur cette question quand ils en parlent parfois sous le manteau aux parents. D'ailleurs, votre précédente invitée en a témoigné aussi. Mais c'est surtout que pour les parents, c'est cette double peine car tous les enfants ne peuvent pas être accueillis à l'école. Tout simplement parce qu'on laisse encore croire que c'est l'école qui reprend et ce n'est pas l'école qui reprend. C'est la sociabilisation des enfants. Et pour cela, l'école n'a pas le monopole. Donc le fait de continuer et insister à ne pas ouvrir tous les lieux publics qui permettraient d'accueillir des enfants dans un milieu qui dépend des pouvoirs publics avec des personnels dont c'est le métier d'accueillir les jeunes publics, on arrive à une situation où on est passé à une semaine de 10 à 20 à 30%. Et moi, je ne rentrerai pas dans cette bataille de chiffres, mais qui dit, allez, 30%, ça veut dire que 70% des élèves sont encore sous la garde des parents. Et que dans cette situation, les parents sont des super-héros. Sont des super-héros parce qu'ils payent des impôts pour que leurs enfants soient pris en charge dans une mission régalienne qui s'appelle l'école, que ce n'est pas le cas pour plus de la majorité d'entre eux, et qu'en plus, les parents qui gardent les enfants et qui font le choix de ne pas retourner travailler, alors ils voient leur revenu baisser puisqu'ils passent au chômage partiel, chômage partiel qui en ce moment est encore discuté et qui pourrait devenir la triple peine, puisque l'État envisagerait, d'après ce qui transpire dans la presse, malheureusement ça transpire dans la presse et pas dans des auditions officielles, le fait que la part de l'État baisserait dans les prises en charge et qu'on demande aux employeurs, finalement, à travers leurs organisations patronales, d'augmenter leurs prises en charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne garantit que cette baisse des revenus pour les parents qui n'ont pas d'autre choix que de garder les enfants, verront leurs revenus encore diminuer dans les séquences qui suivront. Donc ça, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Et de plus en plus de parents qui souhaitent rescolariser les enfants, qui n'auront certainement pas de place, souhaitent rescolariser les enfants parce que l'école, c'est important, mais aussi parce qu'ils doivent aller bosser. Et qu'aujourd'hui, la débrouille, ce n'est pas une politique d'État. Et la débrouille, elle a ses limites aussi. Donc on est dans cette injonction contradictoire. On essaye de faire croire aux parents qu'ils sont des mauvais parents s'ils ne s'occupent pas des enfants. Mais en même temps, ils sont des mauvais parents s'ils ne scolarisent pas les enfants en même temps. Donc, il y a cette injonction contradictoire qui reflète bien l'état de déliquescence un peu dans lequel on se trouve. C'est que simplement, l'incurie de l'État, elle est reportée sur les parents qui, du coup, ne pouvant pas garder les enfants, ne peuvent pas les scolariser quand même et qui, de toute façon, sont pris au piège, en fait, dans cette impréparation qui fait que ce retour au 11 mai est clairement un échec du point de vue de l'obligation régalienne de l'État d'accueillir tous les enfants dans un milieu scolaire, tel que le demandait le ministre. Oui, merci, monsieur Arenas. Muriel, si tu veux reprendre. Merci. Moi, je voudrais avoir votre avis. L'objectif de la reprise était de ne pas laisser tous les enfants qui étaient décrocheurs, de ne pas les laisser pour compte. Et je ne sais pas, j'ose pas dire le mot prétexte, mais l'argument qui a été beaucoup répété, c'était que les enfants étaient dans des situations difficiles, notamment ceux qui étaient victimes de violences intrafamiliales ou qui étaient dans des logements exigus, etc. C'était l'argument essentiel de la reprise. Est-ce que vous pensez que l'objectif est atteint et comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que ça a du sens ou pas pour vous? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, on va commencer peut-être avec Madame Mérès. Alors, moi, je vois que, en fait, dans les écoles,
Non, ce n'est pas forcément ceux qui ont repris le chemin de l'école, ce n'est pas forcément ceux qui ont des soucis scolaires, tout ça, quoi. Donc, c'est sûr que c'est la priorité, oui, c'est des enfants qui, dont les parents travaillent, ça c'est sûr, et qui n'ont vraiment pas le choix, en fait, en quelque sorte. Voilà. Très bien, je vous remercie. Madame Barbeau ? Oui, effectivement, ça, enfin, ça interroge beaucoup parce que moi, par exemple, qui suis en éducation prioritaire, finalement, on a très peu d'enfants qui retournent à l'école, alors que je sais que dans d'autres écoles qui ne sont pas de milieu prioritaire, c'est la quasi-totalité des enfants qui reviennent à l'école. La priorité, si elle avait été de faire revenir les enfants les plus éloignés de l'école, enfin, c'est ce qui avait été annoncé. En fait, on devait faire revenir d'abord les enfants dans les situations les plus précaires. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi on a réouvert toutes les écoles et pourquoi on n'a pas réouvert les écoles uniquement aux enfants prioritaires. Enfin, on aurait très bien pu faire quelque chose de solidaire. Là, il n'y a absolument aucune solidarité, c'est du chacun pour soi. Chacun se débrouille dans son école pour mettre en place quelque chose, pour accueillir ses élèves de son école. Et donc, sur une même ville, on aurait pu, par exemple, partager les locaux pour accueillir les élèves qui en avaient vraiment besoin. Malheureusement, on sait que s'ils réouvrent les écoles primaires, c'est pour permettre aux parents d'aller travailler. Ce n'est pas dans l'intérêt des enfants. Ça, on le sait parce que, ben justement, les parents qui remettent leurs enfants à l'école, effectivement, c'est pour la quasi-totalité, ils nous disent que c'est par rapport à leur travail. Ils n'ont plus de solution de garde ou qu'ils risquent de perdre leur emploi ou leurs aides. Donc, ce n'est pas une volonté de leur part. D'ailleurs, il y en a qui nous disent clairement qui n'ont pas envie de remettre leurs enfants à l'école, mais qui n'ont plus le choix. Donc voilà, et dans les milieux plus favorisés, ben c'est souvent des parents qui sont en télétravail et qui sont sursollicités par leur entreprise, qui leur demandent de travailler presque autant qu'avant, voire plus, et sachant qu'ils doivent en plus garder leurs enfants à la maison. Donc pour eux, c'est mission impossible, et évidemment, dès qu'ils ont la possibilité de remettre leurs enfants à l'école pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, c'est normal qu'ils le fassent. Donc voilà, c'est pas du tout pensé, rien n'est pensé en fait. On nous dit il faut rouvrir les écoles et on ne sait pas effectivement pourquoi on rouvre les écoles. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer dit des phrases complètement absurdes comme il faudrait que chaque élève soit revenu au moins une fois à l'école avant la fin de l'année. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Quel est l'intérêt ? Dans quel but ? Enfin, voilà, ça on n'en sait rien. C'est juste une sorte de volonté qui vient d'en haut, qui ne correspond à rien et qui n'a pas d'intérêt. Donc voilà, je pense que si ça avait vraiment été dans l'intérêt des enfants, on aurait organisé au niveau national une solidarité, mettre tous les personnels à disposition des enfants qui en avaient le plus besoin. Et effectivement, comme disait Dieu avant moi, c'est qu'on aurait pu aussi mettre à disposition d'autres locaux que les écoles. Et d'ailleurs, il avait été annoncé à une période que des personnels des mairies pouvaient être mis à disposition, par exemple des animateurs sportifs, etc., pour prendre en charge une partie des enfants pendant qu'une autre partie était en classe avec les enseignants. Et ça, ça a complètement disparu. C'est pas du tout mis en place. En tout cas, moi, autour de moi, je ne connais aucune école où ça s'est mis en place. Donc, on se retrouve aussi avec des situations complètement aberrantes où on nous demande à la fois de travailler en présentiel et en distanciel. Donc, j'ai des collègues qui sont dans des écoles où j'ai une collègue qui me disait qu'elle avait un tiers d'élèves le lundi et le mardi à l'école, un autre tiers le jeudi et le vendredi, et puis un tiers à la maison. Sauf que le tiers à la maison, elle n'a pas de temps pour s'occuper d'eux. Donc, on les redirige vers le CNED. Ou alors, c'est aux enseignants de prendre sur leur temps personnel pour s'occuper de ces enfants-là. Et ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'en fait, si on dit aux parents que c'est le CNED qui gère les enfants qui restent à la maison, la plupart des parents ont envie de remettre leurs enfants à l'école parce que
Le CNED, ce n'est pas un suivi, ce n'est pas la continuité pédagogique qu'on leur a vendue, même si on sait très bien que la continuité pédagogique, ça n'a jamais vraiment existé. Voilà, et après, je voulais juste dire aussi sur les enfants. Alors, moi, je dirais que ça dépend. J'ai des enfants qui étaient très peu présents en distanciel, mais qui reviennent à l'école. D'autres qui ne reviennent pas. Enfin, il n'y a pas de généralité pour moi là-dessus. Voilà. Excusez-moi, monsieur Arenas, s'il vous plaît. Je vous remercie. Oui. Alors, à la question, est-ce que les enfants décrocheurs sont retournés à l'école la réponse, j'ai envie de dire, ça dépend de ce qu'on appelle un élève décrocheur, puisqu'on a mis dans ce mot valise qui est devenu une novlangue nouvelle, qui est un pléonasme dans les langages des ordres de la République, tous les enfants qui, en fait, soit n'ont pas répondu présent aux enseignants, soit toutes les raisons qui font qu'on les a perdus. Décrocheur, c'est quelque chose de spécifique dans l'éducation nationale, et c'est certainement pas ce qu'on a voulu faire croire et qui est rentré dans la vulgate un peu de l'imaginaire collectif, que décrocheur égale pauvre et décrocheur égale enfant des quartiers pauvres, des quartiers en particulier politiques de la ville. La question du décrochage est quelque chose de plus complexe. C'est une rupture dans la scolarité des élèves qui est liée à plusieurs facteurs et qui ne sont pas simplement la question d'avoir des mauvaises notes ou etc. ou de ne pas répondre au téléphone ou à un mail de ses enseignants. C'est quelque chose de plus complexe que ça. Et il y a eu un appauvrissement dans la séquence de l'image qu'on avait de ces élèves-là et aussi de la façon dont on devait s'en prendre soin dans la mesure où les catégories qui ont été affectées ont été dévoyées. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, vous dire que oui, c'est une réalité qui nous remonte de tous les départements. C'est que dans les écoles quartiers politiques de la ville, les enfants sont moins retournés à l'école que dans les quartiers qui ne le sont pas. Nous estimons que, d'ailleurs, des études sociologiques donnent du crédit à ça dans le passé, que l'école est en fait, pour les parents qui savaient que l'école était un moyen pour échapper à leurs conditions dès lors qu'ils avaient le capital culturel des parents qui allaient avec, devient un relais important, ce qui n'est pas le cas pour les enfants des quartiers populaires en termes de masse. Donc, il n'y a aucune raison que dans la séquence, la confiance dans l'école, de ce point de vue-là, soit rétablie en période de crise. Au contraire, il nous semble que ce qui nous remonte des parents de ces quartiers-là, c'est que les différentes cacophonies qui ont eu lieu dans la gestion de crise, notamment en termes de santé publique et d'anticipation des pouvoirs publics sur la gestion de la crise du Covid, a été de nature à créer de la défiance par rapport à la capacité de l'État d'organiser un retour à l'école de façon à protéger les enfants, leurs familles et les adultes qui vont avec, tout simplement parce que c'est aussi des quartiers qui, d'une façon générale, avant le Covid, avaient très peu confiance dans l'État pour les aider à pouvoir se sortir des situations difficiles. C'est dans ces quartiers-là, par exemple, où la question des déserts médicaux est une réalité et donc qui fait qu'on a culpabilisé, rappelez-vous, à l'époque, les parents dont les enfants étaient malades, de les emmener aux urgences et pas chez le médecin, en niant de façon cynique que dans ces quartiers-là, il n'y avait pas de médecin. Donc, on hérite aussi de ces constructions et le Covid n'a pas créé des inégalités. Peut-être qu'il les révèle, certainement. Peut-être qu'il les accentue, probablement. En tout cas, que la réaction des pouvoirs publics par rapport au retour à l'école, ça a été d'organiser les égalités, c'est une certitude. C'est d'autant plus une certitude qu'on voit bien que les maires ont une part de responsabilité énorme dans cette séquence-là. Et quand un maire dit à ses concitoyens, et en particulier aux parents, qu'il ne peut pas assurer le retour à l'école, les parents ont confiance d'abord dans leur enseignant et ensuite dans le maire. Donc, si les enseignants et les maires disent que ce n'est pas possible, les parents vont suivre le mouvement. C'est vrai pour le Covid et c'est vrai pour d'autres sujets qui ont traversé l'école. Donc, il y a une responsabilité collective par rapport à ça et pas simplement l'idée que les parents, parce qu'ils sont pauvres, ils ne vont pas remettre les enfants à l'école. C'est une question de confiance, confiance aussi dans les personnes qui sont dépositaires d'une parole publique, une parole de confiance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le retour du 11 mai a été extrêmement politisé, et cela aux dépens des enfants. Aux dépens des enfants, car nous savons tous que le retour à l'école, le retour à la sociabilisation est quelque chose de central pour sortir du confinement, que les adultes dont c'est la charge et le métier de s'occuper des enfants qui ont des difficultés étaient centraux dans ce retour à la sociabilisation, dit retour à l'école dans la bouche du ministre, et que les moyens publics n'ont pas été mobilisés pour cela. Ce n'est pas vrai que les acteurs sportifs auxquels faisait référence l'enseignant que vous avez invité ont été mobilisés. Ce n'est pas vrai que les acteurs culturels de proximité ont été mobilisés. Ce n'est pas vrai que les assistantes sociales, que les juges pour enfants, que les psychologues scolaires, que toutes celles et ceux qui ont la charge
soit d'accueillir du jeune public en temps, entre guillemets, hors Covid, et ceux qui ont la charge, donc c'est le métier de prendre soin des enfants qui vont mal, ont été mobilisés pour pouvoir assurer ce retour à la sociabilisation de l'école. J'en prends aussi, pour exemple, toutes ces communes qui disposent de centres de vacances qui en ce moment sont vides et qui auraient pu accueillir, par exemple, les parents qui sont dans des situations de logement complètement insalubres ou exigus dans la période que nous avons vécue. Ces centres de vacances, ces centres d'accueil n'ont pas été mobilisés dans la séquence. Ils sont, en ce moment où nous parlons, encore vides et non utilisés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Covid a révélé aussi ce qui existait avant le Covid, l'incapacité des différentes tranches du millefeuille institutionnel à travailler ensemble. C'est-à-dire que quand l'institution n'arrive pas à travailler de façon coopérative, il n'y a pas de miracle. À l'école, on ne travaille pas aussi de façon coopérative. Donc, c'est cela aujourd'hui qui est le principal échec de ce retour à l'école du 11 mai, c'est que ça révèle l'incapacité de notre pays à pouvoir être solidaire au niveau institutionnel pour prendre en charge quelque chose qui nous est commun, qui est l'enfant du pays, l'enfant citoyen, l'enfant de la ville, qui est aussi enfant du département, qui est aussi enfant de la région et qui est aussi enfant de la nation. Donc l'incapacité à travailler ensemble au-delà des effets de marketing et de punchline dans la presse, la réalité c'est que dans les quartiers QPV, les enfants ne sont pas retournés à l'école et que dans le quartier, ils sont retournés car après tout, l'école est construite pour eux. Très bien, je vous remercie. Michel, je te laisse continuer. Oui, vous aviez dit effectivement qu'il y avait, Madame Barbeau, certains animateurs qui avaient été requis pour d'autres choses. Sachez aussi que nous nous occupons dans notre commission de la culture et lorsque nous avons entendu Monsieur le ministre de la Culture dire qu'effectivement il prolongerait sûrement des droits des intermittents du spectacle et qu'il pourrait comme cela participer aux activités périscolaires, on a eu quand même très peur. On s'est dit de qui se moque-t-il, des artistes ou des enseignants? Et à mon avis, c'était un peu des deux. Donc voilà, une autre question. Le matériel, au niveau du matériel, ça a été quelque chose qui nous est revenu souvent. Est-ce que vous avez disposé du matériel suffisant pour la rentrée? Alors, du matériel pédagogique, bien entendu, mais aussi du matériel de protection. Est-ce que les enfants sont venus dotés de leur matériel de protection? Et est-ce que vous avez pu, vous, appliquer le protocole sanitaire qui vous avait été envoyé? Nous l'avons reçu, joli petit livret. Et si ce protocole et si ces choses-là n'ont pas été possibles, est-ce que vous avez alerté le maire ou votre hiérarchie? Et est-ce que vous avez eu des réponses du maire ou de votre hiérarchie sur ces impossibilités ou sur ces dysfonctionnements? Voilà, merci. Alors, je vais commencer peut-être par Madame Julie Barbeau. Oui, alors dans ma commune, on a été plutôt bien fournis en masques, en gel. On a aussi des petites lingettes pour désinfecter. Donc, au niveau du matériel, normalement, on a tout ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, tout ce qui est recommandé par le protocole. Par contre, donc j'ai certains élèves qui sont arrivés avec un masque, mais dès que je leur ai dit que si ça les gênait trop, ils pouvaient l'enlever, ça a été immédiat. Voilà, c'est déjà très difficile pour nous de le porter toute la journée parce qu'on parle quand même beaucoup quand on est enseignant. Et donc, parler avec un masque toute la journée, c'est difficile. Donc, déjà, moi, ça m'irrite la peau. Au bout d'une journée, j'ai vraiment du mal. Donc, les enfants, je pense que c'est très difficile pour eux. Et puis, enfin, c'est peut-être nécessaire, mais pas faisable. Donc, voilà. Au niveau du protocole, on a fait, de toute façon, je pense que toutes les écoles ont fait au mieux, mais c'est un protocole que tout le monde trouve inapplicable. Parce que tout simplement, la phrase qui est la plus importante dans le protocole, c'est la distance physique entre les personnes. Et cette distance, elle est ingérable. Alors, sur une journée, on peut faire des efforts, mais déjà au bout de deux jours, on voit le relâchement petit à petit. C'est très difficile. Moi, j'ai eu l'impression de faire la police pendant une journée, à leur signaler à chaque fois qu'ils se rapprochaient un petit peu trop.
Donc voilà, c'est très difficile et c'est même parfois, ça met dans des situations pas faciles non plus parce que parfois, par exemple, j'avais un élève qui visiblement était triste, n'allait pas bien et bah, le rassurer à distance, c'est quand même impossible. Donc voilà. Et puis, il y a des petits moments tout bêtes, mais j'ai une élève qui a fait tomber son stylo par terre et puis sa petite copine a voulu le ramasser et lui rendre. Bon, ben bah, voilà, c'est arrivé. Et puis, du coup, les distances n'étaient plus assurées. Donc, on pourra toujours faire le plus possible pour que les distances soient respectées, mais c'est quasiment impossible à tenir, en tout cas sur le long terme. Donc on a fait remonter, oui, on a fait des droits d'alerte. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse sur ce point-là. Il y a eu des réponses sur le nombre de masques. On nous a promis une deuxième livraison de masques. Mais sur la question de la distance physique, on n'a pas eu de réponse. Et puis, très souvent, d'ailleurs, quand on entend... parler de l'école à la télévision ou à la radio, dans les reportages, on parle beaucoup de la distance dans les couloirs, en classe, mais très rarement de la récréation. Pourtant, c'est le moment qui pose le plus problème dans une journée de classe, c'est la récréation. On peut trouver des petits jeux à faire à distance, mais en fait, au bout d'un moment, on a envie, c'est une envie humaine d'aller vers l'autre. Donc voilà, c'est très difficile. Et puis il y a des moments un petit peu tristes aussi, comme la cantine où on est tout seul à sa table, enfin ou en tout cas à un mètre de l'autre. Ça fait pas des repas très très festifs. Voilà. Et par contre sur le matériel, ça a pas de rapport avec le protocole sanitaire, mais ce qui nous manque, je pense cruellement, c'est du matériel informatique numérique. Parce que y a une partie des élèves qui continuent d'être à la maison et pour cela, on a pioché un peu dans toutes les réserves. On s'est débrouillé pour récupérer à droite à gauche des ordinateurs, des tablettes pour pouvoir les prêter aux familles. C'est un gros problème. Et même en classe, on se retrouve dans des classes où on ne peut pas utiliser le matériel pédagogique et on n'a pas d'ordinateur, on n'a rien pour aller sur Internet. Donc, c'est aussi... un peu embêtant pour assurer une continuité et assurer aussi un lien avec les enfants qui restent à la maison. Voilà. Merci, madame. Madame Mérès ? Alors, nous, les distances avec les maternelles, c'est impossible, quoi. C'est juste impossible. Parce que forcément, pareil, à la récréation, ils se rapprochent. Où on leur donne du matériel, exemple des cerceaux, pour le peu qu'ils jouent individuellement, et ben forcément le copain le rattrape. C'est très difficile. Même pour les. On ne peut plus faire en maternelle les anniversaires. Là, encore il n'y a pas longtemps, hier, il y avait un anniversaire d'une petite fille. On n'a pas pu le faire en maternelle parce que. Forcément, les distances, faut les respecter et on a peur du gâteau qui vient de la maison, donc on ne peut plus le faire. C'est pareil comme il paraît que certaines classes de petites sections n'ont plus leur doudou, lorsque pour les petites sections, le doudou, c'est presque primordial, on va dire. Donc... forcément, tout ça, c'est très difficile. Très, très difficile. Merci. Merci, Monsieur Arena. Oui. Écoutez, le traitement a été très inégal du côté des parents, pour prendre que la problématique des masques. Par exemple, les collégiens du département 64, on a demandé aux parents de fournir les masques aux enfants. Et puis, vous avez d'autres départements comme la Seine-Saint-Denis, par exemple, où les masques sont fournis par le conseil départemental. Donc, ça, en fait, le traitement est complètement différent selon les orientations des politiques éducatives des collectivités territoriales, dont c'est la responsabilité ou la charge. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien qui a la responsabilité ou la charge de quoi dans cette séquence-là.
dire aussi qu'il n'y a pas eu de magie dans la séquence, c'est-à-dire que les écoles qui n'avaient pas le bâti suffisant en termes de sanitaire, par exemple, pour pouvoir faire respecter les gestes barrières avant, ne l'ont pas davantage eu dans la séquence, d'autant plus que les gels hydroalcooliques ne sont pas préconisés pour les élèves de maternelle, tout simplement parce que la composition du gel fait que pour les élèves de maternelle, ce n'est pas un matériel qui est recommandé. Donc, il y a eu des vrais cafouillages de ce point de vue-là, à travers l'équipement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les deux mois qui nous ont séparés de la fin de l'école, et surtout dans la période qui a consisté à séparer l'annonce du ministre de l'Éducation nationale, à savoir la date du 4 mai, et celle du 11 mai qui lui donnait un petit peu de rab, rien n'a été mis en œuvre, on va dire, pour permettre que cette inégalité dans le bâti des écoles soit résorbée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de plan national qui permettent en fait soit d'imposer aux collectivités territoriales dont c'est la charge d'investir dans le bâti scolaire pour faire respecter les gestes barrières, ou alors de prendre en charge ce que le protocole sanitaire exigeait, notamment en termes soit de gestes barrières, de lavage de mains, de passage dans les sanitaires et de gel ou de masques sur les visages, ou aussi de visière, puisqu'on sait aujourd'hui que visière plus masque, c'est ce qui est le plus efficace. Donc cette école complètement aseptisée, en fait, qui est devenue une garderie aseptisée, n'est pas une bonne image, on va dire, mais encore faut-il savoir ce qu'on veut. Soit on considère que les gestes barrières doivent être appliqués, et auquel cas, oui, c'est draconien, soit on considère qu'il ne faut pas rouvrir les écoles. Or, il a la question qui a été tranchée, c'est que les écoles devaient rouvrir, et à ce moment-là, on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce que l'école rouvre et pas les autres lieux d'accueil qui étaient susceptibles d'accueillir davantage d'enfants, puisqu'on sait qu'il y a des écoles où le nombre de places qui ont été viabilisées par la communauté éducative qui a été associée à ces ouvertures ne suffit pas pour pouvoir accueillir tous les enfants qui étaient susceptibles de pouvoir l'être, et alors que les parents le demandaient. Donc on voit bien qu'il y a, selon les écoles, selon les territoires, le traitement par rapport aux gestes barrières n'a pas été le même. Il n'a pas été le même certainement parce que les collectivités territoriales et les différents échelons institutionnels ne travaillent pas correctement ensemble dans la période dans laquelle nous sommes. Rappelez-vous cette bataille indécente sur les masques, de qui a fait quoi, qui n'a pas été responsable de quoi. J'ai envie de dire, là, la question, c'est d'avoir des masques. Donc, quand cette polémique enfle et que quand les écoles reprennent, cette réponse, finalement, n'est toujours pas apportée, eh ben, il y a un problème. Parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, on assiste à une responsabilisation à outrance des parents qui prennent en charge ce qui est de la responsabilité des pouvoirs publics. Et force est de constater que dans la période dans laquelle nous sommes d'ouverture de classe, ce sont évidemment les parents qui sont les plus sollicités pour compenser les déficits ou les incuries de services publics. J'en ai fait état tout à l'heure sur la question des parents qui n'ont pas de passe à l'école alors que c'est un droit constitutionnel, et les parents aujourd'hui qui doivent compenser dans certaines écoles quand les collectivités ne prennent pas en charge qui les masques, qui les points d'eau, qui, etc., etc. Donc l'inquiétude est là car comme vous le savez, il y a peu d'effectifs d'enfants qui sont retournés à l'école le 11 mai, qu'il peut y en avoir davantage en juin, et que là, on risque d'avoir un vrai problème. Parce que si le 11 mai est la préparation du 11 juin, c'est au secours. Mais si le 11 mai est la préparation de septembre, c'est tous aux abris. Parce que force est de constater que l'école ne pourra pas reprendre dans les conditions qu'on imagine, en protégeant les adultes et les enfants, mais aussi en assurant la rescolarisation des enfants, fût-elle à distance ou fût-elle en présentiel, puisque dans la séquence, les enseignants n'ont pas non plus été formés à l'enseignement à distance. Donc, on continue à utiliser l'outil informatique pour la grande majorité, comme si l'école continuait comme avant, que l'école continuait normalement. Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Nous avons, par exemple, des parents qui nous expliquent très clairement que certains enseignants, et ils pensent bien faire, il faut les féliciter pour cela, qui ont simplement écrit à la main le cours, ils l'ont photographié, en ont fait un PDF et l'ont envoyé par Internet. Ce n'est pas ça le numérique, c'est autre chose. Ça montre bien que les enseignants ont été livrés à eux-mêmes et n'ont pas été formés à ce qu'était l'outil numérique. En parallèle, il y a eu aussi des enseignants qui ont recherché et qui ont trouvé d'ailleurs, mais de leur propre initiative, des logiciels ou des applications qui permettaient aux enfants de pouvoir suivre les programmes, de pouvoir faire le minimum de l'enseignement et des programmes, et après avoir aussi un retour éducatif avec les enfants. Mais la débrouille, ce n'est pas la règle. Et donc, il faut cesser de laisser les enseignants livrés à eux-mêmes se débrouiller avec ça. Il faut cesser de demander aux parents de faire le rôle de supplétif, en fait, de service public, comme c'était le cas d'ailleurs avant le Covid.
Rappelez-vous, les enseignants non remplacés, c'est les parents qui trouvaient des remplaçants parfois en cherchant de façon provocatrice des enseignants au bon coin ou qui tout simplement payaient des cours particuliers parfois très chers pour que les enfants rattrapent les programmes. Donc cette situation où ce sont les parents qui sont sollicités et qui consiste à une sorte de privatisation rampante en fait de l'éducation nationale, c'est-à-dire une privatisation rampante non pas que l'école se privatise au sens où elle est livrée à une entreprise, mais au sens où c'est l'initiative individuelle qui prend le pas et qui structure de façon majoritaire le fonctionnement normal d'un service public qui est d'une responsabilité collective et une fonction régalienne. Donc, il serait temps que ça s'arrête, il serait temps qu'on prenne la mesure des choses, car si le 11 mai est une répétition de ce qui va venir, il y a fort à parier que l'école va être en échec, et quand l'école est en échec, ce sont les enfants qui sont en échec, et d'une certaine façon, notre avenir qui est en question. Oui, merci beaucoup, monsieur Anna. Muriel. Je te remercie. Alors, moi, je voulais vous demander comment vous enseignez concrètement dans ces conditions, si on peut toujours appeler ça enseigner, comment vous voyez votre rôle. Est-ce que ça a un intérêt pour vous? Est-ce que ça a un intérêt pour les enfants? Comment vous vous sentez et comment ils se sentent? Et est-ce que vous pouvez nous raconter une journée ou deux journées type, qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe concrètement. Je vous remercie. Madame Mérès. Alors, moi, une journée, moi, je suis dans la classe. Donc, j'attends que les enfants arrivent. Donc, ils arrivent, c'est direct passage aux toilettes. Donc, on va se laver les mains. Ils font pipi. On se relave les mains. Après, chaque enfant individuel, ils retournent à leur place, à leur table. Donc, sur cette table-là, bah, ils ont des petits jeux. La maîtresse, une fois que tous les enfants sont arrivés, la maîtresse monte dans la classe. Et donc là, elle commence le travail. Moi, je vais vite fait désinfecter les locaux pendant ce temps-là, une fois qu'elle est arrivée. Et donc, on refait ainsi de suite. Avant la récréation, on retourne aux toilettes, relavage de mains, chaque enfant. Et donc, on fait ça ainsi de suite. Récréation. Là, donc, moi, je désinfecte vite fait. Et donc, je vais dans la cour de récréation avec les enfants. Et après, on retourne aux toilettes, relavage de mains. Et redésinfecte et on retourne dans la classe. Moi, je redésinfecte derrière. C'est en permanence ça. Tout le long de la journée, dès qu'il touche quelque chose, il faut le désinfecter. Donc, en maternelle, il touche à tous les enfants, on va dire. Donc, c'est pas évident. Voilà. Et on a le souci aussi, c'est qu'il y a des ADSEM, par contre, elles. Vu qu'il y a des enseignants qui sont à 80%, eh ben elles doivent assumer la désinfection et aussi être en classe à gérer le reste de la journée de l'enseignant qui n'est pas là. Donc, en fait, c'est quasiment impossible de gérer le protocole facilement, quoi. Entre gérer les enfants en classe et faire la désinfection, c'est pas possible. Et comment vous sentez que les enfants se sentent et comment vous vous sentez à la fin d'une journée? À la fin de la journée, on va dire que moi, je ne ressens plus mon métier ADSEM. On va dire que je suis plutôt agent de désinfection que mon métier d'ADSEM. Et comment je ressens les enfants? En fait, c'est difficile à dire parce que pour les maternelles, on voit qu'il y en a certains, ils sont contents d'être là, mais on voit qu'ils n'ont plus le sourire comme avant, ils l'ont perdu, quoi. Ils ont perdu cette joie de venir à l'école comme avant, retrouver tous les copains, toucher à tout, aller dans les coins-jeux, il n'y a plus de coins-jeux, tout ça a été retiré, c'est plus la maternelle. Voilà, c'est difficile à dire, mais on le fait, nous, on joue notre rôle de désinfection pour pas qu'il y ait de problème, on va dire, au niveau des enfants et au niveau de nous aussi. Mais c'est difficile, on va dire. Difficile.
Je vous remercie. Madame Barbeau, s'il vous plaît. J'ai un groupe d'élèves qui est un groupe d'élèves de parents prioritaires. Donc, en fait, je n'ai pas que des enfants de ma classe. J'ai un groupe d'enfants. Enfin, sur mon école, on s'est organisé comme ça. En fait, on a mélangé les classes. Donc, je continue de donner un programme pour toute ma classe à la semaine. Mais quand je suis en classe avec mon groupe, et bah, du coup, je fais du CE2 avec les CE2, du CM1 avec les CM1. Donc voilà, donc j'ai différents. Enfin, racontez-nous une journée, si vous pouvez. Alors le matin, c'est pareil, on arrive à l'école, on se lave les mains. J'ai compté, donc on se lave 8 fois les mains par jour au minimum si on ne va pas aux toilettes. D'ailleurs, apparemment, il y a des enfants qui commencent à avoir des boursouflures sur les mains. À force de se laver les mains. Donc, on arrive, on se lave les mains, on les récupère. En fait, on a fait des entrées échelonnées. Donc, il y a des groupes qui arrivent toutes les 10 minutes. C'est très long parce que si on a 10 élèves, on a 4 lavabos et ils passent 30 secondes par minimum par lavabo parce qu'ils doivent passer 30 secondes à se laver les mains. Donc, on attend que tout le monde soit passé aux toilettes. Ils sont rangés dans le rang, le rang qui fait donc 10 mètres de long, puisqu'il y a 10 enfants. Ensuite, on monte en classe. Donc, en classe, j'essaie d'alterner des moments de travail individuel et des moments un peu plus collectifs, sachant qu'il faut recréer une sorte de groupe avec un groupe qui n'existait pas auparavant, puisque ce sont plusieurs classes mélangées. Donc, on fait... Moi, j'ai fait des petits jeux pour les premiers jours, pour pas que ce soit trop brutal non plus le retour. Des petits moments de discussion aussi sur ce qu'ils font à la maison. Après, je force pas le dialogue sur... on n'a pas eu de... Ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a eu aucun accompagnement. On a eu le psychologue scolaire qui est venu nous parler. Il nous a envoyé des documents, mais en fait, il est sur 3 ou 4 écoles différentes, donc il n'a pas le temps de venir dans les classes. Je discute avec les élèves, mais je ne force pas la discussion sur ce qu'ils ont vécu à la maison, sur ce qu'ils vivent en ce moment. Ensuite, des moments aussi de jeu, chacun à sa table. Ils choisissent un jeu pour la journée, qu'on désinfecte le soir et pour pouvoir échanger le lendemain. Ensuite, donc il y a les récréations où on essaie aussi de se réinventer. On a déjà essayé de se réinventer pendant le confinement pour effectivement trouver des nouvelles façons d'enseigner à distance, sachant qu'on n'avait effectivement aucune formation non plus là-dessus, ni de matériel fourni par l'éducation nationale. Encore une fois, on a tout fait avec notre matériel, notre connexion Internet. Donc, on essaie encore de se réinventer, de trouver des jeux qui se font sans contact. D'essayer de créer du collectif en étant chacun à distance. Sur les élèves, le premier jour où mes élèves sont arrivés, il y en avait certains où on sentait la peur, en fait, dans leurs yeux. C'était impressionnant parce qu'ils ne rentraient pas par le même endroit que d'habitude. Ils rentraient les uns après les autres. Il y avait beaucoup d'adultes autour d'eux masqués. Alors, je reviens un peu sur la visière. Donc, le directeur de mon école a commandé des visières, effectivement. Mais alors, la visière plus le masque, c'est impossible. On ne nous entend plus du tout. Et puis ça fait de la buée en fait sur la visière d'avoir un masque. Très intimidés, mais au fur et à mesure de la journée, ils se sont détendus en voyant que finalement c'était les adultes qu'ils connaissaient et qu'ils retrouvaient des copains. Donc je pense que eux l'ont peut-être mieux vécu que moi, qui me suis retrouvée dans un rôle qui n'était pas le mien, c'est-à-dire de faire du soutien scolaire, de faire un peu d'animation aussi, de plus les surveiller qu'enseigner en fait. Et,
Et il y a des moments où moi, je me suis clairement ennuyée parce que pendant que eux jouent chacun à leur table, moi, je n'avais pas grand-chose à faire. Donc voilà, on essaie de se réinventer, mais c'est difficile de trouver des activités qui soient faisables sans contact physique et sans matériel collectif qu'on peut partager. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Arenas, est-ce que vous avez eu des retours ou une expérience personnelle via vos enfants sur ça? Alors moi, j'ai un principe, je ne parle jamais de ma vie privée, puisqu'elle n'est pas significative. Je représente une fédération, donc je parle pour ce qui me remonte des fédérations. Alors, on n'est pas enseignant, donc on ne sait absolument pas. D'ailleurs, c'est un problème de ne pas savoir ce qui se passe dans la classe en ce moment, car les parents sont un vrai relais dans les quartiers, notamment pour déconstruire beaucoup de choses qui sont dites et qui ne sont pas une réalité. Ce qui est notable, en revanche, dans la séquence, c'est que, peut-être, si je peux m'exprimer ainsi, chacun va retrouver sa place. C'est que les enseignants ne sont pas des parents, en tout cas pas quand ils sont enseignants, même si pour beaucoup, ils sont un peu enseignants. Et certains, d'ailleurs, sont même adhérents à la FCPE. C'est pour vous dire le conflit d'intérêts qui peut exister. Donc, ce conflit d'intérêts n'existe pas dans la séquence. Pourquoi je dis ça? C'est que avant le Covid, il y a eu des grandes oppositions entre les différentes catégories d'adultes qui avaient une responsabilité par rapport aux enfants. Et chacun était meilleur que l'autre dans l'exercice de son métier ou de sa fonction. Beaucoup de parents recevaient des leçons en parentalité. Beaucoup de parents étaient pointés du doigt comme étant des mauvais parents. Et dans la séquence que nous devons vivre, il nous semble que le rôle des parents est très important, voire essentiel, dans le bon fonctionnement de la scolarité des enfants, dès lors qu'on lui laisse jouer seulement son rôle. C'est-à-dire que le parent n'est pas un enseignant. Le parent n'est pas un psychologue scolaire, un enseignant n'est pas un juge pour enfants, un enseignant n'est pas un animateur, pardon, un parent, pardon, n'est pas un animateur sportif, un parent n'est pas un artiste ou enfin un animateur culturel. Et ce n'est pas parce qu'un parent peut faire de la culture, peut faire du sport, etc., que dans le rôle qu'il a par rapport à une éducation extérieure à lui, dans un cadre collectif, son regard peut prendre la place de celui dont c'est le métier, dont c'est la fonction. Je pense que c'est important de se dire que la période du Covid a remis chacun dans son métier, c'est-à-dire que les parents ne sont pas des enseignants, les enseignants ne sont pas des parents, les parents ne sont pas des ATSEM, les ATSEM ne sont pas des enseignants, mais qu'on a tous besoin les uns des autres. Et que dans la séquence que nous venons vivre, enfin peut-être, nous allons sortir du mépris de classe aussi. C'est-à-dire de considérer que les métiers manuels, qui étaient ceux d'ailleurs qui sortent en général des filières professionnelles, qui étaient méprisés avant le Covid, sont celles et ceux qui nous sauvent les vies aujourd'hui. Quand j'entends votre invitée qui représente des ATSEM expliquer qu'elle est constamment, toute la journée, en train de désinfecter, en fait, elle n'est pas en train de désinfecter, si je peux m'exprimer ainsi, elle est en train de sauver des vies. Et enfin, nous allons regarder d'un autre œil le travail des ATSEM dans les écoles, comme le travail des personnes qui font la cantine, comme le travail des personnes qui font le ménage, parce qu'aujourd'hui, ce sont elles qui nous sauvent des vies, et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas une formation, entre guillemets, intellectuelle, au sens académique du terme, qu'ils font continuer à les mépriser et qu'à la rentrée scolaire prochaine, il faudra les présenter au même grade, au même niveau que nous présentons à nos enfants, les enseignants, les CPE, les bibliothécaires, etc., c'est-à-dire tout le personnel éducatif. Tout ça a ressoudé les liens dans la communauté éducative et je trouve très surprenant qu'aujourd'hui que les classes ont eu lieu, il n'y ait pas des parents qui soient restés un peu plus longtemps, ce qui existait d'ailleurs en temps hors Covid, c'est-à-dire d'inviter des parents à regarder comment ça se passe, à participer à l'élaboration, par exemple, d'un gâteau d'anniversaire. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible en raison du Covid, mais c'est qu'on a toujours tendance à foutre dehors les personnes qui viennent parce qu'on est toujours en train de se juger, on est toujours en train de se noter, et c'est bien ça qu'aujourd'hui qui est bousculé, c'est-à-dire que le système éducatif dans lequel on n'a pas le droit à l'erreur, dans lequel l'erreur enferme dans la solitude, nous espérons que cette école-là aura vécu et qu'on aura l'occasion, à terme et dans un futur extrêmement proche, de travailler tous ensemble pour l'intérêt de l'enfant. Donc, cette école n'est pas une école du care, une école où il faudrait tout à coup aseptiser et médicaliser l'école. Non, mais dire qu'une école qui prenne soin des enfants, c'est quelque chose de central. Ça veut dire que c'est une école qui s'organise autour des élèves qui sont les plus fragiles, car si elle s'organise autour des élèves qui sont les plus fragiles, alors elle s'organisera aussi pour les élèves qui vont bien, c'est-à-dire une image d'Épinal, des enfants qui vont bien, qui ne correspond à aucune réalité, si ce n'est d'elle, de ceux
qui, quelque part, font l'école, l'organisent et qui ne sont pas, pour la grande majorité, dans les quartiers en politique de la ville. L'école est décidée ailleurs, en général dans des lieux aidés avec des personnels qui sont issus des grandes écoles, qui pour beaucoup travaillent sur des rapports, mais qui, quand ils sont confrontés à la réalité du terrain, on voit bien l'écart qu'il y a entre les orientations sur le papier et la réalité à la fois de mise en œuvre, mais aussi la réalité que ça serve à quelque chose d'utile pour les enfants. Vous l'avez dit d'une certaine façon, quand on ouvre les écoles pour 8 élèves alors que la classe en contient 20, mais où sont les 12 autres ? Pourquoi ces élèves qui sont des enfants ne peuvent pas être ailleurs ? On voit bien l'impossibilité aujourd'hui de mettre l'imagination au pouvoir autrement que dans la débrouille. Mettre l'imagination au pouvoir à l'école, c'est mettre l'imagination au pouvoir pour notre pays et sortir de cette idée où l'école élitiste et sélective telle qu'elle fonctionnait permet de sortir un philosophe, deux philosophes qui d'ailleurs souvent se répondent. Peut-être que l'école de demain, celle qui doit venir, permettra de fournir 3, 4, 5, 20 philosophes qui pourront se répondre et qui feront un pays beaucoup plus riche, car finalement, nous donnerons l'opportunité à des élèves qui, dans une école normale à l'ancienne, ne permettaient de faire émerger qu'une élite qui se compte sur les doigts d'une main. Peut-être que nous ferons sortir non pas une élite au sens dirigeant du monde, mais une élite, mais c'est-à-dire des gens qui seront susceptibles d'aller jusqu'au bout de leurs rêves et d'influer et d'apporter au pays de façon beaucoup plus significative, beaucoup plus nombreuse que la quantité de personnes qui sortent aujourd'hui d'une école élitiste, qui ne sort qu'un petit groupe d'élèves dans ces critères de l'élitisme. Voilà l'école qui a vécu et l'école vers laquelle nous devons aller. Et je pense que pour que cette école fonctionne, il faut en particulier arrêter d'opposer les catégories. Une, j'en ai fait état d'une, c'est-à-dire le travail manuel avec le travail intellectuel qui se cristallise entre les lycées pro et les lycées généraux de l'autre côté. Mais ça commence dès la maternelle. Ça commence dès la maternelle aussi, par exemple, sur les questions de genre où on oppose les cours de filles aux cours de garçons, avec ces villes qui continuent à bétonner et à bitumer les cours d'école alors qu'on sait qu'il faut végétaliser parce que le rapport à la terre est central. Une école qui finalement fasse du rapport à son corps, à soi et du rapport au corps de l'autre un projet éducatif central. Et nous ne pouvons pas avoir ce projet qui prenne soin des enfants si, y compris les sanitaires, ne sont pas en mesure de respecter l'intégrité physique et morale des enfants. Voilà en fait à quoi sont heurtés les parents, mais à quoi est heurtée aussi la représentante des ASM que vous avez bien voulu inviter. Voilà à quoi est confrontée aussi l'enseignante que vous avez voulu inviter. C'est une école qui n'est pas faite pour les enfants, mais qui est faite pour les adultes, et certaines, et parfois même pas pour les adultes qui sont dans l'école. Les adultes qui sont ailleurs, qui se gavent de punchlines et de tribunes dans la presse, mais qui finalement parlent très peu d'école, parlent très peu d'enfants, mais parlent très bien par contre de leurs intérêts personnels. Je vous remercie. Michel, je te laisse la parole. Oui, excusez-moi. Eh bien, nous allons conclure ce set parce que je crois que Monsieur Arena, vous avez un rendez-vous après, donc je vous donnerai la parole en premier. Juste une petite question comme ça, parce que les Républicains à l'Assemblée nationale ont le groupe, les Républicains, c'est-à-dire le groupe de droite, pas les Républicains, parce que moi aussi je suis Républicain et Muriel aussi. Et donc, à l'Assemblée nationale, a déposé une proposition de résolution visant à repousser les congés d'été de 2 semaines. Alors, je voudrais avoir votre avis sur cette proposition. Et puis, comment vous envisagez donc cette fin d'année scolaire ? Et est-ce que vous auriez des préconisations à faire pour assurer une rentrée plus sereine, pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire, plus sereine pour septembre prochain ? Alors, ce sera le mot de conclusion. Donc, je vais d'abord passer la parole à Monsieur Arena. Ben merci. Écoutez, sur la proposition de loi de rallonger l'année scolaire, en fait, on comprend pas bien le lien entre le pourquoi et le comment. On voit pas très bien en quoi, si j'ai bien compris, favoriser l'industrie du tourisme, en fait, d'une certaine façon, c'est ce que j'ai cru comprendre dans la proposition de loi. Vous me direz si je me trompe. En rallongeant l'école, aller arranger les choses, en sachant que si l'école continue, par définition, les enfants ne seront pas en vacances. Donc, les parents non plus. Donc, on comprend pas bien l'intérêt de cela, d'autant plus que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de souffler. Ce dont ont besoin les enfants, c'est de prendre un temps pour eux, ailleurs que la maison, si possible, évidemment. Et donc, ailleurs de la maison, ça veut dire qu'au contraire, il faut que les vacances arrivent le plus tôt possible, d'autant plus que si nous avons la possibilité, si évidemment les conditions sanitaires le permettent, de sortir de l'enfermement, eh ben, c'est maintenant qu'il faut peut-être avancer les vacances scolaires.
justement, pour sortir de cette idée complètement hallucinante qu'il faut maintenir la pression sur les élèves, car sinon, on va les perdre. Les enfants, pour rassurer tout le monde, du ministère jusqu'à l'Assemblée nationale, les enfants ne sont pas perdus, ils sont avec leurs parents. Et pour ceux qui s'inquiètent pour les enfants qui sont décrocheurs, c'est-à-dire qui sont chez eux et qui n'ont pas signe de vie, bonne nouvelle, ils n'ont pas déménagé. Il suffit qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, qu'ils aillent à l'adresse où ils habitent. Ces adresses sont connues, puisqu'elles sont connues d'Éducation nationale. Et allez leur demander des nouvelles, parce que ces enfants-là n'ont pas disparu. Ils sont juste chez eux, parfois dans des conditions difficiles. Et quand on ira les voir, quand ils iront les voir, ceux qui les instrumentalisent d'une certaine façon, eh ben, qu'ils viennent avec des vraies réponses et des vraies solutions pour leur donner des logements dignes, pour finalement faire en sorte que l'école de la République, c'est-à-dire une école égalitaire, soit une réalité pour ces enfants-là et que l'école les intéresse. Parce que quand on décide de ne pas aller à l'école, c'est peut-être que c'est de l'école qu'ils connaissaient, ne leur parlait pas. Donc, de les écouter. Pourquoi cette école ne leur parlait pas et pourquoi elle ne les intéressait pas et se remettre un peu en question. Donc, au lieu d'inverser la responsabilité constamment sur les élèves, sur les parents, sur ceux qui vont mal, venez, les amis, mais avec des réponses et non pas avec des propositions de loi qui ne feront que rajouter de la difficulté sur de la difficulté. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette proposition de loi qui d'ailleurs me semble très contestée, y compris dans les rangs du groupe qui la porte. Mais ce n'est pas mon rôle de rentrer dans ces jeux-là. Pour les solutions, oui, les solutions existent, mais les solutions doivent remettre en question beaucoup de choses. Par exemple, ça veut dire qu'il faut responsabiliser les élèves et arrêter de les infantiliser d'un point de vue de penser qu'un enfant qui prend des initiatives est forcément un enfant qui va créer des accidents ou qui va foutre le bordel, pardonnez-moi l'expression. Par exemple, il est évident que dans des établissements, dès lors que l'école reprendrait, que les collèges et lycées reprendraient, par exemple, pour ne pas citer que cela, ce ne sont pas les enseignants qui se déplaceront, mais ce seront plutôt les élèves. C'est les enseignants qui se déplaceront et pas les élèves, car l'idée, c'est de gérer des flux pour éviter le maximum de contamination. Donc, évidemment, ça ne sera pas possible avec des classes comme des classes de sciences physiques où il y a les becs benzène, etc. Ça ne sera pas possible, évidemment, pour le sport, quoique ça se discute sur certains sports qui, aujourd'hui, ne sont pas faits à l'école, sauf de façon très expérimentale, comme des corps qui viennent notamment d'Extrême-Orient. Mais en tout cas, tout ça est possible de changer cette école-là, de changer, en fait, la façon dont elle fonctionnait pour se mettre à l'heure d'une école qui, le chef du gouvernement le dit, une école qui n'aura pas connu de vaccin. Donc, c'est une école qui connaîtra le Covid encore. C'est, par exemple, aussi, comme votre invité qui est enseignante le dit, des classes multiniveaux. Car dans la séquence que nous venons de vivre, c'est la solidarité qui a gagné. La solidarité entre des enfants qui sont de classes d'âge différentes et que se sont entraînées les unes des autres, notamment celles qui sont dans le même cycle. Donc, il est complètement logique et complètement, on va dire, bienveillant que de faire cohabiter dans une même classe des élèves qui sont de niveaux différents, car c'est l'entraide qui est nécessaire. Et du coup, le rôle de l'enseignant change aussi. C'est que l'enseignant n'est plus dans un rapport d'érudition. Ça, c'est l'école d'avant. Il est, comme disait Heidegger, un berger de lettres de l'enfant, et il le mène vers son émancipation, vers sa propre liberté, et d'arrêter d'imaginer que la liberté de l'enfant est celle qu'on veut bien lui laisser, ou celle qu'on vient lui donner, ou celle qu'on pense être la meilleure pour lui-même. C'est cette liberté qui doit aujourd'hui régir l'école de demain, c'est-à-dire une école qui se mette au service des enfants et qui permettra de produire des enfants qui iront à l'école heureux. Car il nous semble que c'est ça aujourd'hui qui est de mise, c'est aller à l'école pour être heureux. C'est un vrai projet politique, au sens noble du terme, pour notre pays. Et quand on écoute des enfants, que ce soit tous les niveaux d'école, on se rend compte qu'ils ne le sont pas forcément, que beaucoup se sentent violentés et qu'il serait temps de prendre ça à bras le corps en commençant par des choses qui paraissent triviales mais qui ne le sont pas, de permettre aux enfants d'aller aux toilettes quand ils en ont besoin et pas quand le règlement l'autorise. C'est valable pour toutes les classes d'âge et c'est particulièrement valable pour toutes ces jeunes filles qui, au moment de leur menstruation au collège et au lycée, doivent attendre la fin du cours pour aller se changer, car c'est pas l'heure. Et ben, voyez, c'est ça l'école bienveillante. C'est une école qui, à la fois dans ses rapports à l'hygiène de soi, à l'hygiène collective, mais aussi dans son rapport dans la classe, le rapport aux enseignements, permettra aux enfants d'être heureux, de travailler à leur rythme, car ce qu'on remarque, et ça sera le mot de la fin pour ce qui me concerne, c'est que les enfants aujourd'hui, pour la plupart, travaillent à leur rythme. Certains se lèvent plus tard, certains se couchent plus tôt, certains font des pauses dans la journée, mais en tout cas, je sais que tous les élèves et tous les parents ont à cœur de faire
ce que les enseignants envoient à la maison, soit par pigeon voyageur, quand c'est le cas, soit en allant chercher les documents et en rompant le confinement, soit par Internet. En tout cas, les parents se font un point d'honneur à respecter ce que les enseignants leur disent parce qu'ils savent très bien que l'enseignant est une figure centrale dans l'avenir de leurs enfants, que l'enseignant et tous les professionnels qui sont avec, qui l'épaulent dans leur noble mission sont au service des enfants et que c'est cela qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire ne pas tayloriser, ne pas automatiser le travail des enseignants. Enseignant, c'est un métier, ce n'est pas un emploi. Et nous avons peur que l'arrivée du numérique, qui était un formidable outil de liberté, ne soit l'outil qui permette en fait de déposséder les enseignants de leur savoir-faire et de les tayloriser, voire de les robotiser dans une démarche qui serait contraire à la liberté de l'enfant et la liberté des enseignants eux-mêmes. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Arnaud, parce que merci à vous. Vos interventions merci. Sont extrêmement intéressantes et complètes. Merci beaucoup. Madame, merci de votre invitation. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. C'est à moi ? Oui, c'est vous, si vous voulez bien. Et je vais couper mon micro. Je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Sur les vacances, et effectivement, il faut laisser les gens souffler. Je pense qu'on a vécu une période très difficile pour beaucoup de parents, beaucoup d'enfants. Le confinement, c'était pas des vacances, c'était une période désagréable, on pouvait pas sortir, etc. Donc ce serait à mon avis une très mauvaise chose de reculer la période des vacances, d'autant qu'on sait très bien que les écoles sont très souvent très mal isolées et donc en été c'est invivable d'être en classe en juillet, en août, il fait chaud, on n'a pas, c'est vraiment pas le meilleur moment dans l'année pour travailler à l'école. Sur la suite, effectivement, en fait, là, on a vu qu'en temps de crise, c'était la débrouille, comme on l'a dit juste avant, et donc, en fait, il faudrait que ça reste cette idée de liberté. En fait, là, ça les arrangeait bien qu'on se débrouille tout seul et qu'on soit libre de gérer comme on voulait le protocole, etc., et qu'on se débrouille comme on pouvait. Alors que depuis le début du ministère Blanquer, justement, la tendance était plutôt au flicage, à nous imposer des méthodes de lecture, des méthodes pour enseigner, etc. Qu'on garde cette liberté qu'on a acquise pendant le confinement et qu'on fasse plus confiance aux professeurs, aux animateurs, aux équipes pédagogiques pour organiser la vie des écoles, donner beaucoup plus de liberté parce que c'est clairement ce dont on manque. On est pressé par des programmes, par des injonctions sans arrêt. Les programmes changent. Moi, je pense que ça fait 6 ans que j'enseigne. Les programmes ont déjà changé au moins 3 fois. On nous impose plein de choses qui sont très souvent inutiles, intenables et qui ne sont pas dans l'intérêt des enfants. Ça passe évidemment par la formation. Malheureusement, on a vu en cette période de crise aussi qu'il y avait un cruel manque de formation pour les outils numériques, mais en fait, il manque cruellement de formation pour tout dans le métier d'enseignant. On est jeté dans la fosse aux lions sans avoir aucune bille. Ensuite, on a vu aussi, cette crise, elle a aussi montré que l'école manquait cruellement de moyens humains et de moyens financiers parce que là, on voit qu'il n'y a plus de, il y a absolument pas de médecine du travail, il n'y a pas de médecine scolaire, il n'y a quasiment plus de médecins, d'infirmiers, on manque de psychologues, on manque d'assistants sociaux, donc on manque d'à peu près toutes les aides qu'on pourrait avoir. On manque évidemment de matériel, je l'ai dit déjà, de matériel numérique, pour les enseignants comme pour les enfants. Donc, il faut vraiment donner des moyens, s'occuper des locaux aussi, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, les capacités d'accueil
dépendent beaucoup des locaux. Et donc, les vieilles écoles où il y a peu de sanitaires peuvent ouvrir peu de classes. Et aussi, il y a des écoles qui ne peuvent pas réouvrir parce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents pour faire le ménage dans les classes suffisamment régulièrement. Donc voilà. Et puis, ce que nous apprend au final cette crise aussi, c'est l'importance de renouer avec la nature, puisqu'on sait que ça vient en partie de la déforestation et donc de nos modes de consommation. Donc, ce qu'il faut apprendre aux enfants en priorité, c'est de renouer avec la nature, de respecter, de changer nos habitudes de consommation, de vie, et donc végétaliser les cours d'école pour que les enfants puissent aller patouiller un peu dans la terre, dans les jardins, pouvoir ouvrir l'école aussi sur l'extérieur, parce que très souvent, on est enfermé dans les écoles, on a peu de possibilités d'aller se promener même dans le quartier. Il faut toujours avoir un encadrement et comme c'est parfois difficile d'avoir des parents qui viennent dans ces sorties-là ou qu'on n'a pas forcément de maître en plus pour nous aider. Voilà, on n'a pas forcément la possibilité d'ouvrir l'école sur l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment... donner plus de liberté aux enseignants pour qu'ils en donnent plus aussi aux enfants et apprendre à apprendre autrement et pas à intégrer bêtement des connaissances comme le voudrait M. Blanquer. Voilà. Madame Mérès, s'il vous plaît. En tant qu'ADSEM, c'est sûr que dans les classes, ça ne sert à rien de continuer l'année scolaire jusqu'en juillet ou août, parce que comme l'a dit l'enseignant, c'est sûr que dans les classes, ils ne sont pas équipés. En plus, on n'aura plus droit au ventilateur quand on va avoir des classes à plus de 32 ou 34 dans la classe travailler, ça sera ingérable, surtout avec le masque et la visière. Il fera trop chaud, quoi. Et donc, nous, en tant qu'ADSEM, forcément, on se sent un peu, avec ce protocole à mettre en place au niveau de la désinfection, il y a beaucoup de détresse psychologique parce que forcément, on nous impose ce protocole, mais on n'est même pas nommé. Le ministre nous a pondu ce protocole, mais on n'est même pas indiqué dans ce protocole. L'ADSEM, elle n'est même pas citée une seule fois. Nous, on n'existe pas, mais on doit désinfecter. Donc, chercher l'erreur, on ne sait pas. Donc, on aimerait bien aussi vraiment qu'on soit justement faire partie de cette équipe éducative et vraiment qu'on nous inclue vraiment dans toute cette part, justement, qu'on nous nomme dans ce protocole. Parce qu'on ne sait pas si à la rentrée septembre, ça sera encore... le même problème. Et forcément, pareil, moyens locaux, les locaux, c'est forcément les toilettes trop petits, comme l'a dit nos collègues. Et c'est vrai que tout ça, il va falloir changer. Au niveau des moyens aussi, au niveau des cours, comme l'a dit, végétaliser. Faire plus de marquage aussi, des jeux de cours au marquage de cours pour que ça soit plus joyeux, quoi, parce que des fois il y a des cours, c'est triste dans des cours de maternelle. Nous en tant qu'ADSEM de France, on voudrait vraiment qu'on soit inclus dans tout ça, qu'on soit pas la dernière roue du carrosse, mais qu'on doit tout gérer. Voilà. Merci. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour la qualité de vos interventions. C'est très important pour nous d'avoir ces retours parce que
comme nous l'avions fait auparavant, durant toutes les auditions que nous avons faites pour cette commission d'enquête France Insoumise qui est sortie aujourd'hui, hein, notamment, nous avons demandé l'avis aux gens qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire aux premiers de corvée. Excusez-moi que vous êtes, mesdames et messieurs, puisque c'est grâce à vous que la nation a tenu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, nous vous avons demandé, c'est pourquoi nous vous avons demandé votre avis à vous, parce que vous êtes sur le terrain, c'est ce qui nous intéresse. Alors moi, je vous souhaite le plus grand courage pour la suite des événements, et je voudrais vous dire que vous avez raison, M. Arena avait raison aussi. Je pense que la priorité du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, c'était une priorité économique et une priorité touristique. Ce décalage de 2 semaines, et j'adhère complètement à vos réponses quant à ce décalage. Voilà, et je finirai sur une phrase de M. Arena que j'ai trouvée très belle, c'est « Aller à l'école pour être heureux ». Merci. Muriel ? Merci. Je crois effectivement, comme vous l'avez tous dit, que cette période de crise sanitaire a laissé des traces assez profondes, parce que l'enfermement n'est pas anodin. Effectivement, on aura tous besoin de temps, et encore plus certainement les enfants. Une réflexion globale s'impose, on en est tous conscients. Je crois qu'on doit réapprendre à être au monde différemment et construire ensemble, dans le respect et la solidarité, une autre école qui forme des citoyens réellement émancipés pour retrouver du sens, pour que vous retrouviez du sens et que les enfants retrouvent du sens. Et que cette société puisse changer de chemin, prendre un meilleur chemin. Mais à mon tour, vous remercier, parce que c'est, comme le disait Michel, précieux pour nous. Voilà, merci d'avoir partagé votre expérience et vos réflexions. Merci à vous. Merci.